Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez-le. Serviteur du Seigneur qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait. Au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez, louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté de Yahvé. Louez la grandeur et la douceur de son nom. Bien-aimé de Dieu, shalom à toi. Shalom à toi en ce matin, porteur de grâce. En ce matin, nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore assistés de tous nos anges gardiens, de toute la milice céleste, de tous les saints et les saintes du ciel, en particulier les saints à qui nous vouons un amour particulier. En ce matin, nous voulons parler de la bonté de notre Dieu. Nous voulons parler de la douceur de notre Dieu. Nous voulons parler de la grandeur de notre Dieu. À qui pouvons le comparer? Il reste l'unique bienfaiteur de nos âmes, l'unique créateur de nos vies. Il est unique. Ah, qu'il est bon! Ah, qu'il est grand! Ah, qu'il est doux, notre Seigneur! Et en ce matin, j'ai tout simplement envie de te réveiller avec cette louange dans l'allégresse, dans la joie de notre Seigneur. Je veux tout simplement, porteur de grâce, que tu te laisses tout simplement porter, porter dans cette louange, porter tout simplement, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu es en train de faire, laisse-toi tout simplement porter par cette louange et déclare au fond de toi les bontés de Yahvé. Déclare au fond de toi la grandeur du nom de Yahvé dans ta vie. Peu importe les situations, peu importe ce à quoi tu es confronté, laisse-toi tout simplement porter par sa bonté. Il est grand, il est merveilleux, il est excellent notre Dieu. Alors, avec moi, sois dans cette allégresse, sois dans cette louange. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es...
nom de notre Seigneur. Excellent et merveilleux est le nom de Yahvé. Excellent et merveilleux est le nom d'Adonai. Excellent et merveilleux est le nom de Yeshua HaMashiach sur ton lieu de travail, dans ton foyer, au sein de ta famille et dans ton quotidien. Excellent est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merveilleux est le nom de Yeshua. Bien-aimé, déclare-le au fond de toi. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Excellent est le nom de Yeshua. Excellent est le nom d'Adonai. Excellent est le nom de Jésus-Christ. Excellent est le nom de Jésus-Christ. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Merveilleux, il est merveilleux. 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 Dieu est excellent, il est grand, il est glorieux, il est bon, il est rempli, rempli de compassion pour nos misérables vies. Il est rempli de bonté, il est rempli d'amour pour chacune de nos vies. Voilà pourquoi en ce matin, j'ai voulu te réveiller un peu, te réveiller en te bousculant un peu pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors que cette mélodie, que cette louange t'accompagne tout au long de ce jour, tout au long de cette journée, peu importe ce dans quoi tu seras, que cette louange t'accompagne, que la joie de notre Seigneur soit ton partage, que l'allégresse de notre Seigneur soit ton partage, que sa joie envahisse les lieux, l'environnement des lieux où tu te trouveras. Et avec tes anges, que tu puisses demeurer dans cette joie, dans cette joie, dans cette allégresse, dans le nom puissant de notre Seigneur. Richement béni en ce jour, tout au long des heures et des secondes à venir, sois richement béni, sois dans la joie de notre Seigneur et qu'il t'envahisse davantage de ses multiples bontés, de ses multiples merveilles, tout pour la gloire de son nom, tout pour la gloire de son nom. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Agréable journée à toi, porteur de grâce.